spécial. Et qu'est-ce qu'elle a de vraiment si spécial cette vidéo? On a reçu des lettres du Père Noël. Oh, une lettre du Père Noël? Mais c'est vrai? Oui, regardez. Oh là là, faites-moi voir ça un peu. Une pour Corentin. Une pour moi. Une pour Océane. Une pour maman. Et une pour papa. Oh, mais elles sont belles ces lettres, dis donc. Mais comment vous avez fait pour recevoir des lettres du Père Noël? Je sais pas. Ah oui, on sait. En fait, c'est le lutin Léo qui nous a contacté. Eh oui. Alors les amis, je vous explique. Nous avons Léo, le lutin du Père Noël, qui nous a envoyé un petit mail en nous disant qu'il voulait aider un petit enfant qui s'appelle comment, Corentin? Hayden. Un petit garçon qui s'appelle Hayden et qui a une maladie très très grave. C'est la maladie de... Comment ça s'appelle, Loulou? Tu t'en souviens? La maladie de Crabbe. C'est une maladie très très grave. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est une maladie qui est neurodégénératrice. Donc, ça veut dire que les neurones du cerveau se dégénèrent en fait, qu'ils disparaissent, qu'ils s'abîment. Ouais, pour que vous compreniez, qu'ils s'abîment. Et ça débute, dans la majorité des cas, pendant la première année de vie. Elle est rapide et très progressive comme maladie. C'est-à-dire que petit à petit, l'enfant, il est paralysé. En fait, un enfant qui pouvait bouger ses membres, au fur et à mesure qu'il grandit, il ne peut plus bouger ses bras, il ne peut plus bouger ses mains, il ne peut plus bouger ses jambes. Il ne peut plus manger. Après, il ne peut même plus parler et même encore entendre. Vous imaginez comme c'est grave comme maladie? Ouais. C'est une maladie qui est considérée aussi comme mortelle. Ça veut dire qu'on peut en mourir, les amis. C'est vraiment très très grave comme maladie. Il y a un petit garçon qui s'appelle Hayden qui a besoin de nous. Alors Léo, le lutin du Père Noël, nous a contacté parce qu'en fait il est en relation avec le Père Noël et il nous propose sur internet, d'ailleurs je vais mettre le lien dans la description, il a une petite idée, c'est-à-dire qu'il demande au Père Noël d'écrire de petites lettres que nous on va commander sur internet. On les reçoit à la maison et à chaque fois qu'on a commandé une lettre, et bien ça, il y a 1 € qui est reversé à l'association Lueur d'Espoir pour Hayden, pour aider la recherche à financer en fait tout ce qu'il faut pour trouver des solutions pour arrêter cette maladie, pour qu'elle soit plus mortelle, les amis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait cette vidéo. C'est vraiment une vidéo du cœur. Ça va être Noël. Il est très malade, ce petit garçon. Il faut qu'on l'aide. Noël, c'est le partage. Noël, c'est l'amour. Donc voilà pourquoi Léo, il nous a contactés. Alors, on va vous montrer un peu les petites lettres qu'il vous propose, les petites lettres du Père Noël, parce qu'en fait, il y a 4 modèles qui existent. Alors, nous, sur les 4 modèles, on en a eu un comme ceci. C'est celle de Corentin. Voilà, donc celle de Corentin qui a été écrite par le Père Noël. Ensuite, nous avons celle d'Océane. Fais voir, ma chérie. C'est écrit Océane, Joyeux Noël. Oui, alors il y a marqué... Joyeux Noël. Voilà, donc celle-ci est à Océane. Donc derrière, pareil, il y a marqué Cher Océane, le Père Noël. Et après, il y a Joyeux Noël. Et ensuite, il nous en a envoyé Alors, moi, je décide... Bon, c'est papa et maman qui ont décidé laquelle. Ensuite, il nous en a envoyé 2. Qui sont vierges, donc on pourra les envoyer à quelqu'un qu'on aime. Donc là, il y a marqué Joyeux Noël, très joli. On ira écrire quelque chose derrière. Voilà, elle est vierge, on pourra écrire quelque chose derrière. Et la dernière qui est comme ceci. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet, on va mettre le lien vraiment en barre d'infos. Si vous voulez que le Père Noël, eh bien, vous dédicace en quelque sorte une des 4 petites lettres, et il y a 1 € qui sera reversé à l'association. C'est vraiment un message du cœur. C'est une vidéo, qui nous tenait vraiment à cœur de faire. Si ça peut aider la recherche, si ça peut aider un petit garçon qui a une maladie très très grave, on compte sur vous. Mais par contre, je vais vous lire ce qu'il a écrit, le Père Noël, à Corentin et Océane. Alors attention, je vous lis ce qu'il a écrit. Donc, cher Corentin, cher Océane, vous devez être un peu surpris de recevoir ma lettre. Mes lutins m'ont dit beaucoup de bien de vous. Et j'ai décidé de vous écrire personnellement. Je sais que vous faites tout votre possible pour être sage et cela me fait très plaisir. Je suis en route pour distribuer tous les cadeaux aux enfants sages.
Ça veut dire qu'il prépare à les mettre, il prépare à les faire, il prépare à les mettre dans la hotte. Et j'ai un cadeau pour vous. Les cadeaux que j'ai préparés viennent récompenser votre bon comportement durant toute l'année. Le Père Noël. Oh, ça c'est cool, hein. Vous êtes contents que le Père Noël vous écrit? Oui. Oh, ça c'est vraiment cool. Donc les amis, écoutez, on n'a pas pour habitude de faire des vidéos comme ça, mais si c'est on peut aider Aïden avec le Père Noël, eh bien écoutez, allez voir le site, ça nous ferait vraiment plaisir, nous on a participé. Parce qu'il faut savoir que l'association, en fait, Courrier de Noël, l'entreprise et l'association voulaient nous offrir les courriers et on a refusé. On a voulu les acheter, nous aussi, acheter les cartes postales pour que le Père Noël écrive après dessus et nous les envoie. Parce qu'il faut que tout le monde essaye de participer. Ceux qui peuvent, bien sûr, ce n'est pas une obligation, ceux qui peuvent. Mais voilà, c'était vraiment une petite vidéo qu'on voulait faire, une vidéo du cœur, tenez les loulous. Ça nous faisait vraiment plaisir de partager ça. Noël, c'est le partage, comme je vous répète. Alors les loulous, c'est juste, juste un petit message pour aider une association, voilà, c'est tout. C'est juste quand Taille Océane, ils ont vraiment aimé quand ils ont reçu la petite carte. Je pense qu'ils vont la garder bien précieusement. Vous allez la garder ou... Moi j'aurais celle-là et celle-là. Ah c'est bien, on garde Océane. Non. Donc voilà, c'était juste un petit mot, une petite vidéo pour donner un petit coup de pouce à l'association Lueur d'Espoir pour Aïden. Alors les amis, cette vidéo, pas comme d'habitude, elle est déjà finie, elle était courte. Oui. Mais si on peut aider, on le fait volontiers. Oui. Alors les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout allez voir le site qui propose des dédicaces du Père Noël. On va appeler ça comme ça, des dédicaces du Père Noël. Le Père Noël vous écrira la petite carte que vous avez achetée. Il écrira dessus un petit mot personnalisé. Donc allez-y. Et puis les amis, on va vous souhaiter de bonnes fêtes aussi. On va faire un gros bisou et puis on vous dit à plus tard. Et puis merci surtout à Léo, le petit lutin, de nous avoir contacté parce que ça nous fait vraiment plaisir. Et de nous avoir dire ça. Nous avoir demandé de faire une petite... Alors bien sûr, ils ne nous ont pas demandé de faire de vidéo. Hein. Voilà, c'est nous qui avons décidé de faire une petite vidéo. Ils nous ont juste demandé un peu d'aide. Et voilà, ça nous fait vraiment plaisir. On fait des gros bisous aussi à Aïden. Voilà, on le connaît pas, mais gros bisous à toi Aïden si tu nous regardes. Et gros bisous à Léo aussi. Et gros bisous à vous les amis. Et gros bisous au Père Noël. Et gros bisous au Père Noël bien sûr. Allez, ciao ciao les amis. Ciao. Mouah.